Yo tout le monde, c'est ce Sokokik et vidéo vraiment mortelle parce que non j'ai parce que cette fois-ci on va faire le let's play sur LR. Ouais, non je rigole. Alors ce jeu c'est l'un de mes jeux sur PlayStation 3 que je kiffais ma race. J'avais essayé la démo sur la PlayStation 3 et du coup j'ai réussi à acheter le jeu sur PC parce qu'il était en stock sur Steam, donc voilà. Hein. On va faire un let's play dessus, j'espère que ça va vous faire plaisir. Allez, c'est parti, nouvelle partie. L'internet, je trouvais ça extrêmement drôle ça. Alors, en gros, le scénario est tout à fait con, c'est pour ça que j'adore ce jeu. Le but, c'est que on a un lapin qui s'est fait choper par un paparazzi. Et du coup, ce qu'il veut, il doit défoncer 100 monstres pour savoir qui a volé les photos. C'est à peu près comme ça, hein, le scénario. Après, on découvre mesure à mesure. Alors, attendez. Ah, mais attendez, je me suis un peu couré les touches. Parce que j'avais fait des options pour les touches avant. Vers la gauche, je suis con, c'est avec. Oui. Voilà. Alors, ça a marché. Reprendre le jeu. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Ça va, je lag pas trop, ça va. Alors, je vais faire les voix, je vais essayer un maximum de faire les bonnes voix. Cet ascenseur ne va nulle part. Où sont passés mes serviteurs? Oui, c'est l'espace merde. En train de mater mes photos, je m'en vais les calmer. Sauf que j'ai oublié mes armes. Évitons les combats pour l'instant. Ah oui, l'espace c'est pour sauter. Hop là. Oula oula, putain. Je récupère quand même. J'adore la part de vie surtout parce que. Elle dit fuck. N'importe quel moment, quoi. Allez. Ça n'a pas mal comme physique. Hey, Nestor, mon petit serviteur adoré. Enfin, un visage familier. Alors, Nestor, ça sent le meilleur rôle que j'ai fait. Bonjour, mon monsieur. Comment allez-vous? Vous avez compté décrisser. Vérifions avec un test de. Sobriété. Savez-vous désormais? Voilà, putain. Bien sûr que je sais. Je suis un prince des enfers, mec. Donc, comment on dézoome déjà? J'adore ces phrases. Alors. Appuyez sur chier pour le zoomer, monsieur. Aussi prétentieux que son père, c'est pas gagné. Alors. Ouais. En gros, il fallait juste sauter à l'intérieur. Voilà. N'empêche, la musique est quand même stylée pour moi. Hein. Après, je sais pas. Ah ouais, il faut un truc passer par là. Je prends une belle douche. La logique du jeu. On va en enfer, mais le. Ah ah ah, le prince est à poil. Bon, je connais un peu les paroles de certains trucs, donc voilà. Non, en fait. Hein, quoi? Pardon? Qui ose? T'es à poil et tu peux pas me toucher, je suis derrière un mur. Les murs, ça se casse quand même. Comme ta gueule. D'ailleurs, je vais revenir. Si vous pouvez dégommer une sorte de fourreuse. Ah merde. Hop là. Ah, on entend le mec qui chante là.
Hey, Nestor, un autre ditaxiel? Relou à expliquer. Non, monsieur, mais j'ai un cadeau de feu, votre père. Vous savez qu'il avait une passion pour les chèques-pattes tranchantes? Dis-moi que c'est un truc pour défoncer les monstres, j'adore déjà! Encore mieux, ça brise les murs et les ennemis! Avec blablabla touche à expliquer, allez-y, chèque-bat à bloc. Et voilà, ça c'est pour ça qu'on peut le. Oula! On va changer de la musique. Le son de la musique? Bon. Ouais, c'est pas grave. Faisons avec ça. Et à peu près, sur les morts qu'il propose, ça le tue officiellement. Hein. Et c'est différent, et il y a différentes morts, t'as manqué pas. Ah, d'accord, il faut se déplacer avec les flèches pour diriger le truc. Ah, c'est bon. Voilà. Bah oui. Beam a blaster on. Voilà, à peu près, il faut faire à chaque fois un truc pour tuer le mec, quoi. Voilà. Moi, quand je veux tuer quelqu'un, je suis un gros laser pour le défoncer. Ah oui, c'est que en faisant tab, on peut voir les noms des monstres. Et je sais pas pourquoi ils ont mis un print à côté, hein, je sais pas. Alors, quand on joue à des puzzle games japonais, on se demande toujours où vont les saletés de blocs qui disparaissent. Une partie se perd dans l'espace-temps et atterrit ici. Et ça devient vite le bordel. Bon, à peu près, il y a plein d'explications. Ça. Oh, il y a la carte. Ah, je sais pas. Ah oui, ça c'est pour déguiser son lapin. Parce qu'on peut se déguiser notre lapin, on sait jamais. Ouais, centré, ouais. On reprend le jeu. J'essaie juste de faire un truc là. Gentlemen, start your engine. Cool, j'ai dégagé la voie. Ah, ces bonnes vieilles portes de l'enfer qui se nourrissent d'âmes, je crois que je les aime bien. Bim. Ah. Les portes indiquent le nombre de monstres que je dois libérer. Après, j'espère qu'elles sourient. C'est encore moi, monsieur. Puis-je présenter la fonction radar? Est-ce que tu veux que je fasse avec ça? J'ai l'air de vouloir chercher les 7 boules de cristal ou quoi? Référence, référence! Non, je rigole. Le radar vous indique où se trouvent les monstres. Ah ouais, merde, désolé pour la voix. C'est très pratique, monsieur. Qui change une voix tout le temps. Alors là, on a un radar là. Et on peut voir où il faut y aller quoi. Thank you.
Je ne dois pas toucher les lapins et l'électricité pour pas mettre bon ménage. Je vais l'éviter pour le moment. Je reviendrai. Oh la vache, merde, merde. Oh putain, vache, un PV là, ça sent la merde, ça sent la merde. Oh la vache. Ah, fais chier. Mais putain. Miss Fontaine. Ah, parce que c'est une femme, attention. Je sais pas que vous. Je sais qui vous êtes. Je coulerai toujours pour vous. Oh mon prince. Non mais pourquoi je tombe à la fin quoi? Voilà. Voilà. En tout cas monsieur, s'il vous plaît, hein. Let's crush. Merde. Let's si. Et je vais chercher le coffre, etc. Alors, ça c'est... Là, il faut acheter officiellement un missile parce que ça servira pour... voilà. Qu'est-ce qu'il y a qu'on pourrait se mettre? Parce que nous, on va l'impastiller quand même. Hein. Il y a plein de trucs... Allez, on va se mettre en mode... Voilà. Ça se bon comme ça. Voilà, nous sommes un putain. De toute façon, voilà, ça servait à ça pour. Paf, paf. Voilà. Alors, ça, c'est souvent, ils te proposent des trucs un peu cons, comme ça. Mais c'est pour les comprendre. Ça voilà. Attends, je suis mort comment là? Attends, est-ce qu'il faut pas que je mette le monstre? Non, c'est bon. Heureusement. Ah d'accord, il y a un caillou qui est... Ah, il y a un passage ici, là. Je ne savais pas... Bon, je récupère quelques-uns, moi. Oh, je vais esquiver celui-là. Ouh. Alors... Face au cerveau, j'utilise la force, mais de loin. Il n'y a pas de bien ou de mal à appuyer sur un bouton, hein. Alors, quelle est la durée d'une vie de vie moyenne d'un lapin mort? Moi, je dis pas de ce phoque, putain. Alors du coup, ça... Ouais, ça emmène un truc là-bas, c'est vrai. Ah oui, c'est le boss. Et ben d'ailleurs, je pense qu'on va faire ce boss et ce sera la fin de la vidéo. Je sais qu'elle est courte, mais je pense que les autres vont être plus longues. Voilà. Allez, partons par là-bas.
suis ce chemin là. On se fait un peu soigner. Et c'est parti. Concept pas super utile, j'adorais ces trucs là à chaque fois. Alors, c'est parti. Aïe, ça came, ces plafonds, c'est super bas. Quel débutant je fais? C'est une blague? Ça va, tu gères. Je vais bien, c'est cool de demander, désolé, je suis stagiaire. Stagiaire boss? C'est pas courant, mais ce que je sais, c'est que je dois te battre pour continuer. C'est ballot? T'as l'air sympa. Du coup, on se tape? Je veux, mon neveu. Oh, attends. Mes photos, tu les as? Des photos? Non, désolé. Je suis deg. Bon. Oh, putain. C'est vraiment épique, ce mot. Je suis deg, comme ça. Que la fête commence! Oh, je sais. Je vais grogner pour faire peur. Mes amis disent que ma voix de boss fait flipper. Prends ça! Ah ouais, on peut pas le toucher. Ah, ça risque d'être compliqué. Que je prends, que je tue. Oh la vache. Ah, il est sympa, il veut TP. Je devais sortir parce que... J'esquive. Voilà. Oh la vache. Bim. Qu'est-ce que... Bim! Notre premier boss battu, un stagiaire. Mais par contre, moi je voulais juste une barre normale, hein, pas une barre explosion. Hein. Bim! Alors lui, je sais pas qui c'est, donc on va faire une voix. Mon blanc marche comme sur des roulettes. Pour l'instant. Attendez, c'est quoi ça? Ouais, cadeau secret, voici un accessoire au milieu. Ouais. Grand petit Papa Noël. Ah la vache. Oula. On passe de enfin. Ah ouais, okay. Voilà, je me souviens. Nestor, c'est encore toi. Mais t'es partout, vieux. Tu crois que j'ai besoin d'aide ou quoi? Votre père m'a demandé de protéger son hérité. Suivre est l'un de mes tâches. Ouais, bien sûr. T'as d'autres cadeaux pour moi. Le dernier était classe. Je ne vis que pour vous servir, monsieur.
J'ai effectivement réussi à trouver quelque chose pour vous. Yippee-ki-yay ! Et si j'aime pas? Alors utilisez roulette pour passer d'une arme à l'autre. Et cela devrait vous satisfaire. Ouais, génial. Alors, je pense qu'on va... Attendez. On va s'arrêter ici, là. Ça fait déjà 20 minutes. On va essayer de terminer ce jeu. Et je vais diminuer un peu le son pour voir comment c'était le son du jeu. Et comme ça, vous pourrez entendre mieux. Donc, je vous dis à un prochain épisode. Mettez un j'aime sur les l'espèce continue. Et comme ça, on pourra faire forcément le fun. Commentez pour savoir si vous avez vu quelque chose sur ce jeu, etc. Ou vous avez déjà joué une fois. Et n'hésitez pas à partager à vos amis. Et vous abonner si vous voulez voir ce let's play. Donc, je vous dis à un prochain épisode. Allez, bye!